رئيس واحد الدولة هكا يا هون ما شو سوى كم شو جوان كوجودو مو يا رجع بيون يدي كم شو سوى شمال هما زي هذا كمان بفري هني ها وان هو مفجار كم أردوه كذي سياسة فاسد التروريست وفاني مبانغو هبعت جم mpango donc il y a harmonie avec la collaboration des chefs d'État voilà ils ont collé et collé eux car ils ont bombe artisanale bon bombe artisanale car il y a amélioré wa namno kamu muduka à distance avec un téléphone portable et il déclenche réaction ça a battu Jema et force de l'ordre quand on arrive là où il y a l'aéroport ou en douche à Baha ou à Djaboula et Koli ou à Djaboula et c'est ça ou à Djaboula et Koli à Pachia et on lui a balé Koli on le jaye à Kava et Pachia à Mamoto on le jaye et Koli et Kao il faut en sortir à la radio et là où il y a Mamoto ici ou ici il y a Waliha Je ne m'en ai pas pour ma photo. Je ne m'en ai pas pour l'école, une des bombes. La famille est artisanale allemande. Je ne m'en ai pas pour la cause. Donc, de là, Ritsaha, on doit être force de l'ordre, on doit être enquêteur, on doit être enquêteur. Le short de Gaukati a tali wala kujabjeri rongowe, haba waka kahanza, zinurujuka hamba zike na kutibitifu. Na nukaya zinurujuka hamba, zikeze evoluye. Kejakana manu rambiori mdu mwenzino suku wono katika nizelema. Yankiti inja nziani, wakati unu mwambia unia wabasa, nga mnungo hele dina la commissaire du gouvernement pre de la Cour de sûreté de l'État. Il y a une compétence de l'autre territorialement nationale. Donc, avant de diriger l'enquête de Bimoroni, je vais vous dire. Zinoumi, le cas où il y a un cas où il y a un cas où il y a un cas où il y a une détention préventive. Il y a un cas où il y a un cas où il y a un contrôle judiciaire. Il y a un cas où il y a un cas où il y a un cas. Et le juge d'instruction a saisi ses voix, estimé qu'on doit raser les charges précises de l'Oasi. Il y a des signes à dire, il y a des gens qui ont joué, il y a un enquêteur qui a évolué, il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des différentes régions, il y a des campagnes au plan. Il y a des gens na kiloshiri no mwejaza dinamiki razi farisi rundu munisyon ikawo na zikompoze ha hapea na 12 munisyon na 52 detonateur izo zurumishi ha harmon on detonateur on fabrike wale bon alafu habati et avion kaura isino kanza irengi kanza itule koli inu wakwe koli kanza iba izwa kikawaida katoke avion si roha wala mjwa deklanche donke bombe ipasuhe wakwe ipasuha na ho mambloza dunga organizasyon wanduka hudu warawasi actually wanunga buwe ma exekwita wandu uwe njira wa Paris. Il y a des financiers, des financiers et des opérations. Donc, d'où il y a des commanditaires. Actuellement, au Katerurongo Aounou, l'enquête évolue très positivement. Il y a Otosha, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se juge d'instruction. Il y a des c'est le cours de sûreté de l'État, le majeur d'instruction Waïd. Et le président, nous devons saisir ce Waïd, Harma Hadis Nzima.
Donc, il y a un mécanisme qui a été fait en juin. Donc, ma finance, et quand je fais ça, et quand je finance, je suis en train de faire un bazar. Je suis en bazar. Je suis en Maore, je suis en France. Chacun de nous a fait un bazar. Je suis en train de faire un bazar. Et puis, je suis en train de faire un bazar. Je suis en depuis là-bas, on doit opérer. Donc, parce que vous l'avez dit, vous avez dit que 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 vous avez chef de l'État avez dit que vous personnalité, dit que vous avez dit normal, vous avez dit que Je disais, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de venir prendre des nouvelles. J'appelle la presse. Ainsi, c'était le 20 avril 2020, lorsque le chef de l'État s'apprêtait depuis en juin à rentrer dans l'île autonome de Moholy, qu'une organisation terroriste aurait fabriqué, monté et vouloir opérer à travers une bombe artisanale pour l'introduire dans l'appareil à bord de l'appareil transportant le chef de l'État. Heureusement, les forces de l'ordre qui travaillent à l'aéroport ont empêché la personne qui avait transporté la bombe d'introduire la bombe dans les colis qui seraient transportés, qui seraient à bord de l'appareil. Au retour de la personne qui retournait avec une moto, la bombe est tombée et a éclaté. C'est ainsi que la personne actuellement blessée, gravement blessée, il y avait une maison à côté qui a été essoufflée. Vous voyez, qui a été essoufflée. Voilà, c'est la personne. Voilà les membres inférieurs. Ainsi de suite. Voilà la maison qui était à côté qui était essoufflée par l'éclatement de la bombe. À l'heure que je vous parle, l'enquête est partie. Nous avons essayé de comprendre comment c'était passé, de quoi il s'agissait. Les forces de l'ordre, les enquêteurs, les OPJ, travaillent jour et nuit. Et à l'heure que je vous parle, nous avons découvert qu'il s'agit d'une organisation purement terroriste. Nous avons actuellement saisi 16 mines de fabrication artisanale, 21 kg de dynamite, MPA, 12 munitions et 54 détonateurs. Là, il y en a encore. On verra. C'est ce que nous avons actuellement saisi dans des opérations de perquisition. Nous avons actuellement 19 personnes qui sont inculpés et en détention préventive. D'autres trois personnes sous contrôle judiciaire, donc inculpées mais laissées en liberté sous contrôle judiciaire. Nous avons des personnes qui étaient en garde à vue mais qui ont été laissées. Pour l'instant, les charges ne sont pas suffisantes, qui ont été laissées en liberté. Donc, ils ont été entendus, mais en qualité de témoins.
en ma qualité de commissaire du gouvernement, donc j'ai des compétences territorialement nationales. Depuis Moroni, j'étais en juin dernièrement, je dirige les opérations d'enquête préliminaire. Et actuellement, comme le juge d'instruction est saisi, il y a parmi les personnes arrêtées, il y a une personne qui est arrêtée ici à Moroni, en Gazidja. Le schéma était le suivant. C'est lorsque l'opération aurait réussi, l'avion serait le crash a eu lieu, il fallait faire descendre toute la population, aussi bien à Moroni, en Juan, Gazidja. Donc là, il y avait des personnes qui étaient placées un peu partout. Les matériels, notamment les mines, qui ont été découvertes, qui ont été saisies suivant les perquisitions, ont été placés un peu partout en Juan. Donc dans toutes les régions, on a découvert ça. Il y a d'autres certainement que nous allons absolument découvrir. Il y a des personnes activement, je dis bien activement recherchées, aussi bien sur le plan national, sur le territoire national, qu'à l'étranger. Il y a des exécutants, et ce sont les malheureux, les nombreuses personnes arrêtées et incarcérées, mais il y a aussi des financiers, ceux qui financent les opérations, et aussi les commanditaires. Donc, les Comoriens le savent très bien, que la base arrière se trouve à Mayotte, en France, mais aussi, certains, dans notre île voisine de Madagascar. Des dispositions sont prises, l'enquête est en cours. Je répète qu'il s'agit d'une organisation purement terroriste. Voilà, j'avais l'obligation morale, habituellement, d'informer la population pour qu'elle sache ce qui se passe sur le territoire national. Je vous remercie. Ils sont tous des civils. Il y a 19 personnes en détention préventive. Il y a une personne arrêtée ici en Gazidja qui sera soumise, on va le transporter.